Et bonjour, on se retrouve pour la suite de The Last of Us après 2 heures de session de guitare. Il y a Ellie et Dina qui ont... Enfin, j'ai lâché la guitare et elles ont commencé à parler. Du coup, bah, je commence la vidéo. Bah, c'est pas comme si on l'avait écouté une centaine de fois ensemble. Bref, il y a mon pavé tactile qui commence à lâcher. Genre, le milieu, il se sent plus, le milieu. Genre... Il commence à en avoir marre, j'ai fait 2 heures de guitare là, c'est terrible. Ça fait trop, c'est trop trop bien. Genre vraiment, j'ai l'impression que tu peux faire des trucs de ouf. Après, c'est pas ultra précis avec le pavé tactile, mais... Ou alors c'est le mien qui part en couille, mais... Oh. Putain, j'avais oublié que c'était un jeu de... de survie et tout. Oh là là, incroyable. Allez, c'est parti, faut se remettre dans le bain, chercher les easter eggs et tout. Bref. Du coup, ça y est là, on a Je pense terminé. qu'on trouvera rien d'autre par ici. Ah, ok. Super. Du coup, maintenant, il manque... à côté du dôme... Il y a Madison Street. Ah oui, le truc du convoi. On avait vu un convoi, je crois, qui s'était fait attaquer et tout. Du coup, le dôme, c'est là, j'imagine. Attends. Non, le dôme, c'est là. Du coup, c'est par là qu'on... qu'il y a un truc. Un papier. Un jour comme un autre au La paradis. vache, pas mal le dessin. Ouais, clairement. Ah, il a dessiné ici, d'accord. Paillette, tu bouges trop. Elle a voulu dessiner paillettes. Du coup, c'est ici. Je vais marquer l'endroit. Ok. Donc le truc que je voulais voir, c'est là-bas. Bonjour. Qu'est-ce que tu caches? Colline, j'ai entendu dire que la banque Hey. Qu'est-ce que c'est? de A Westlake. priori, il y aurait du matos dans une banque. On pourrait Ah. aller y jeter un œil. Et si c'est vrai, elle doit être remplie de matériel avant l'épidémie, on devrait y aller. Aaron. Mais la banque, on l'a déjà ouverte, je crois. Il y avait marqué banque sur. Sur la clé. Zone de la carte ajoutée. Putain, c'est trop chiant ça par contre. Ah non! Ah non, d'accord! Putain, y a encore plein de trucs à voir en fait. C'est quoi ça? Ah, c'est un truc pour repérer les infectés. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Place l'extrémité. C'est pour voir si on est infecté ou pas. Les soldats les utilisaient et si ça sonnait, ils exécutaient la personne. On dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici. Un établi. Déjà pas mal. Un revolver. Putain, j'ai 102. Stabilité, je l'ai fait. Du coup, c'est capacité que j'aurais bien aimé ou. Cadence de tir, ça peut être pas mal. Plus 25. Précision, vas-y. Classe. Revolver. Cadence, stabilité, dégâts. On va améliorer la capacité.
En fait, je sais pas si c'est une capacité de munitions ou capacité de chargeur. On verra bien. Ok. Alors, bon, ça c'est le dôme, mais ok. Bon, bah, on va descendre et on va aller. Je sais pas si je peux descendre par là, si. Ouais, si. Celle qu'on voit que qui a été attaquée. Ah, d'accord. Où est-ce que tu vas? Il y a un truc au fond. Use gate code. Ok. Du coup, ici, on est où? Ici, on est à Madison Street, à l'est, j'imagine. On va utiliser le code. Non, on est à l'ouest, pardon. Alors 61-28 ou 04-51. 61-28. 61-28. 61-28. Soixante et un vingt-huit. Zéro quatre cinquante et un, c'est ça? J'ai oublié. Ok. Récupérer pas mal de trucs. Large. Kit médical, carte Alexonée. C'est lourd. Maintenant, on va aller au niveau du convoi. Donc, faut prendre la rue, c'est à côté du tribunal et. Ok. C'est là où il y a les égouts. Là où on avait vu la cascade, là. Allez, viens. Une échelle ici pour monter. En vrai, j'ai envie d'aller voir. C'est vraiment de la grosse exploration là. Non? Ah non. Encore un peu plus bas. Peut-être en hauteur, je suis pas sûr. Oula. Plus sur la droite. Ah, c'est ça, ce camion là. Il y a un convoi à droite devant. Il s'est passé quoi ici? On dirait une embuscade. T'as vu les impacts de balles sur le côté du camion? Sûrement nos potes du WLF.
Ah, les impacts de balles, ils sont là. Il va y avoir un zombie. Il va bouger. Ce type était un officier. Dans un camion de ravitaillement. Il se cachait peut-être. Il a raté son coup. Ouais, on peut dire ça. Tout est en place. Nous vous attendrons. Une fois le convoi arrêté et les officiers de la Fedra capturés, tu pourras abandonner ton poste et nous rejoindre. Je sais que tu as pris de gros risques et vécu dans la peur de te faire prendre. Ta loyauté envers la cause est appréciée. Ok, d'accord, donc c'était un traître de la Fedra. Un artefact. C'est quoi les artefacts? C'est genre. Ok. Et j'imagine, je vais essayer, mais j'imagine qu'on peut pas. Ouais, non. On peut pas monter là-haut. Ouais, c'est parti. Du coup, il faut que je suive la route et que j'aille tout en bas. Tout au sud. On va suivre la route et puis. Et puis voilà. Dans une banque, du coup. West Bank, ok, c'est là. Regarde l'enseigne. Je crois qu'on a trouvé la banque. Tu veux y jeter un coup d'œil? Comme tu veux. Évidemment. Oula. J'aime le risque, mais c'est pas un peu trop dangereux, ça? Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin, je crois. Je le sens pas. Mais ça passe, t'inquiète. J'avais oublié qu'on pouvait s'allonger. Il faut vraiment que je me trouve une position pour jouer. Qui fait pas mal au dos. Merde. Ah oui. C'est quoi ça? Des balles. Ah, ça c'est un claqueur, ok. Donc il y a un claqueur, un mec endormi. Je crois qu'il est endormi. Attends, ça c'est un viewer. Enfin un viewer. Attends, je comprends rien à ce qui se passe. Donc ça c'est un claqueur, hein. Ouais. Ça c'est un viewer, un coureur. Ok, faut que je tue le coureur en premier.
Pourquoi il s'approche lui là? Wesh, il me suit lui ou quoi? Putain, attends, il y en a un autre. Ah mais c'est un claqueur. Si c'est deux claqueurs, ça va. Ah mais merde, y'avait un... On va parler en morse comme ça. SOS. Tous les cris, les SOS. J'ai envie de recommencer en vrai. Vas-y, on va recommencer. Ah merde. On va recommencer, je pensais pas qu'il y avait deux viewers en fait. Oui, j'appelle ça des viewers moi, c'est bon, je vais pas me casser les couilles. Tous les cris, les SOS. Pourquoi j'ai cette musique dans la tête? J'aime le risque, mais c'est pas un peu trop dangereux ça? Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va passer. Les cris, les SOS. Entre dans les prés. Si je passe par la gauche, ça devrait aller en vrai. Ah, celui que j'avais vu là, en fait, c'est... Ah. Attaquer le claqueur, là, ça me semble trop risqué. À cause du jeu, là. Tous les cris, les SOS entre dans les... Comment allons-nous faire? J'ai envie de passer à gauche. Dès que lui là il se retourne. Quoi? Ouvre l'œil! Ok, ça reset tout. Ah, c'est lourd. Au pire, on va y aller en bourrin. Avec un cocktail molotov bien placé là, mon gars.
J'ai pas compris comment il m'a vu en fait, parce que c'est un claqueur, on est d'accord? Parfois les claqueurs ils me voient à la vue, j'ai l'impression. Dans la merde. En vrai, si je peux. Te retourne pas, 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 te retourne pas. Vite, 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 vite. Ça, c'est un claqueur, on est d'accord. Oh. Je sais pas s'il faut les tuer ou s'il faut juste passer. Il y a un code. Oh putain, il y a un code, il y a un code, il y a un code. Je connais pas la combinaison. Où est-ce qu'elle peut être la combinaison là? Vas-y toi, viens là, oui. C'est parfait. Parfait. Où est-ce qu'elle va être la combinaison? Cool, on est d'accord, il reste que le viewer et c'est bien. Je comprends pas comment les... Je comprends pas en fait comment ils peuvent me voir.
Oh. Les oreilles. Ok. On les a tous eus. Sérieux. Il n'y a pas de... On a trouvé la banque. C'est quoi ces gilets pare-balles? On dirait pas des soldats. Ouais. Je sais pas. Il faut trouver la combinaison. Je ne vais pas la trouver, ça va m'énerver. Lui là. Ça m'étonnerait que les combinaisons soient marquées dans la salle d'attente, mais... Je pense, on sait jamais. À moins que j'ai déjà eu la combinaison. Que je sois un connard. Là, là... Ah! Non? Ah, je peux escalader et monter là-haut, là. Oh, Ellie, casse pas les couilles. Putain. On se croirait dans Horizon Zero Dawn. Un truc que je loupe là, c'est obligatoire. Et en général, quand on dit il y a quelque chose que je loupe, on le dit au moment où le truc est sous nos yeux. Où est-ce qu'il y aurait une combinaison? Si j'étais un développeur de jeux vidéo, que je fais un coffre dans une banque, où est-ce que je mettrais la combinaison? Me dis pas qu'elle est là-dedans. Coffre 60-23-06. Je crois que ces types en gilet pare-balles ont essayé de braquer la banque. Ah. Merde. C'est comme dans ce film. Lequel? Breakpoint. Avec le cambrioleur qui faisait du surf. Oh oui. 60... Avec Brice Denis, ils en parlent. 60-23-06. 60-23-06. Ah. Et voilà. Hein? Oh, ça a l'air intérêt d'être ouf. C'est une banque quand même. Il va y avoir une horde de zombies à l'intérieur. Ouais. Vas-y en première. Si un screamer fait toi peur. Bonjour. J'ai vu l'arme, hein, mais... Oh! Cool. Oh! C'est la bague de Nathan. Et je l'ai autour du cou actuellement. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. C'est la bague de Uncharted et je l'ai autour du cou actuellement. Et je vais me le faire tatouer d'ailleurs. Lorsque j'aurai la force. Fais chier. Petite mais grande.
J'étais même pas censé être là. C'est la cause de ce connard de Neil. Il m'avait dit que les flics seraient trop occupés à courser les contaminés, que c'était du tout cuit. Mais bien sûr, ces saloperies se sont pointées et c'est parti en couille. J'en ai viré un qui s'en prenait à Kyle, mais je me suis fait mâchouiller le bras. Et après ça, mes propres gars m'ont enfermé là-dedans. Les flics vont pas tarder à débarquer. Si je plonge, alors mes potes plongeront avec moi. Je dirai aux journaux et à la télé que Kyle Peters, Léon Trévis et Neil Grant sont des fils de pute. Oh putain. Ils ont essayé de cambrioler la banque le jour de l'épidémie. Ils pensaient sûrement que c'était une bonne idée. Ils ont traduit des putains de peureux, des putains de lâches par des putains de fils de pute. Bon. Pas ouf, mais bon. Ça m'intéresse par contre. Merci. Alors là, si vous avez vu le Let's Play du 1, vous savez que le fusil à pompe et moi, c'est. Par contre, j'ai pas de balles, c'est pas ouf. Attends, j'ai tout fouillé dans le coffre? Ça m'étonnerait qu'il y ait que ça. On y va que pour un fusil à pompe là? Vraiment? Ah non. Oh sérieux. Sérieux là? Oh t'es sérieux là? Du coup il y en a qui sont réapparus. On va rusher jusqu'à... Je pense que je vais courir jusqu'au... Quoique non, il y a un coureur, il y a un viseur. Ça, c'est un viseur, je crois. Merde, attendez. Mon ordi, il n'y a plus de batterie. C'est bon, parce que qu'il n'y a plus de batterie en fait, ça réduit toutes les performances et c'est très chiant. 15 minutes l'action elle a duré, putain. Arrête de faire du bruit toi, wesh. Oh, bien joué, Gina. Oh, c'est une belle gosse. Bien Je joué. Crois qu'on a fait le tour. Je suis d'accord. Elle avait du tissu, très bien. Je pensais que ça allait être des balles de pompe. Ok, bon bah c'est bon. Hey, si tu vivais dans un monde, t'achèterais quoi avec tout cet argent? Peut-être une grande ferme. Bah, tu peux déjà en acheter une, non? Oh putain! Et toi, t'achèterais quoi? Une navette spatiale. Oui, c'est vrai. Ton délire d'astronaute. Hey, c'est beaucoup plus cool qu'une ferme. Une ferme, c'est beaucoup plus pratique. Oh. Ok, donc on va aller voir tout le coin en bas à gauche là parce que j'ai l'impression qu'on a rien vu là-bas. On avait des trucs ici. Bon, on a trouvé un fusil à pompe, alors ça valait le coup. Super, direction le dôme maintenant. Non. Ah sérieux, il y a un gros truc et... Ah sérieux, tu peux pas monter là-haut là, oh. Horizon Zero Dawn. Est-ce que je me fais mal si je tombe de là? Ça passe.
Le dom est là. Ah ouais. Ah, j'ai jamais vu un char comme ça en accident. Bonjour. Aïe. J'aurais pas aimé être à leur place. Qu'est-ce qu'il y a? Des squelettes carbonisés. Ouf. Dans le genre mort horrible. Oh. Un peu comme ces astronautes. De quoi est-ce que tu parles? C'était une des premières missions lunaires. Il y a eu un incendie à cause d'un court-circuit. Et les astronautes ont brûlé dans leur cabine. Au moins, ils sont morts pour quelque chose qui valait le coup. Exactement. Eux, c'était des enfoirés que d'autres enfoirés ont butés. Oh. Ok. Le dôme. On va essayer de contourner le dôme pour voir s'il y a rien caché derrière. Ah non, y'a rien. Centre de distribution de rations. À Boston, la queue faisait plusieurs pâtés de maison. Et la bouffe était dégueu. Ça m'aurait rendu dingue. Certains pétaient les plombs. Non, y'a plus rien. Ok. Bon bah c'est parti pour le dôme. Hein. Un fusil à pompe. Qu'est-ce qu'elle a dessiné là encore? Oui, elle a dessiné le dôme. T'as vu un peu ces vitraux? On n'en voit pas beaucoup. Ah ça, ouais. Distribution de carburant. Allez, c'est parti. On peut dire que la Fedra a bien barricadé cet endroit. Il y avait toujours des pénuries de nourriture à Boston. La faim rend les gens fous. Touriste. Ah, il fallait explorer tout Seattle. Première classe Miller. Selon nos sources, le WLF aurait une base active à l'angle de Spring et de la 5e. Rassemblez les soldats disponibles de votre secteur et rendez-vous sur place immédiatement. Exécutez les suspects. Je pense que pour les épisodes suivants, je continuerai, mais je parlerai beaucoup moins en fait. Parce que. Comme ça, je pourrais jouer en journée. Mais la journée, j'aime pas trop parler parce que mes voisins peuvent m'entendre. Inflammable. C'est bon, vas-y. Cache-toi. Est-ce que du coup, si je suis comme ça, est-ce qu'il me voit? Il y en a qu'un? Ah non, il y en a deux. Attends, mais il y en a deux là? Ah oui. Thank you.
Vas-y, dis-le. Net et sans bavure. Attends, il faut pomper... Non ? Byakugan, c'est vrai que je veux... Oh ! Putain, les cheveux. Bon, tant pis, vous avez compris ce que je voulais voir. Dans le 1, c'est vrai que j'avais un délire de Byakugan avec le mode photo. Eli Yuga. Merde. Retourne-toi, toi, là-bas. Dina, cache-toi. Ouais. Il a marché sur Dina, là. Ce qui me fait peur, c'est que jusque là on a eu que des ennemis zombies. Quasiment pas de... Est-ce que si je me mets là, elle me voit? Ah, un petit peu quand même. Dina, j'en prends un, tu prends l'autre. Dégage. Dina. Par contre... Ouais, mettre la main sur la morsure, là où il y a la morsure, c'est pas ouf quoi. Enfin. Ça y est? Je pige pas. S'il y avait encore des gens dans le coin, ils auraient nettoyé la zone. Pas vrai? Ils sont peut-être pas arrivés jusqu'ici. Peut-être. Allez, faut trouver de l'essence. Dit-elle alors qu'elle n'a pas fouillé les camions qui sont aux alentours. Espace comme ça là.
ça pue. Hein. Oh oui, ça pue. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur. Des menorahs quoi? Et évidemment, j'ai pas encore pris feu. Comment ça a pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. Cet endroit me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. J'imaginais pas que t'étais croyante. Non. Mais j'aime être issue d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie? Ouais. Et de l'Inquisition. Et de l'Holocauste. Ma famille a toujours survécu. Ou presque. Tu m'étonnes. Bon, du coup, on a trouvé le réservoir et il est ici. J'ai trouvé de l'essence. Et si je tire dessus? Il n'y a plus qu'à y accéder. J'ai envie d'essayer. Ah bon, ok, j'ai compris. Oh, merde. Le verrou est de l'autre côté. Oh frère, t'enlèves ton... T'enlèves ton sac, là, tu passes. Oh putain. Ok. Oh, oh. Mais je peux fouiller là en fait. Ah oui, d'accord. Je pensais que ça allait déclencher un truc si je fouillais ici. Ok. Le tribunal, il y avait un boss à la fin, donc là ça va être pareil, j'imagine. Genre je vais mettre le courant et... Putain, j'avais pas vu. Les objets, j'ai vraiment du mal par contre. Par contre, ouais, non, pas sur les escaliers, au cas où que la porte s'ouvre. Ah. Ah. Je suis en sécurité, moi je suis en sécurité. Donc, vas-y, je peux faire la suite. Ce sera Dina qui sera dans la merde. Ok, alors... Merde, c'est génial. Hey, sois poli, c'est un lieu de recueillement. Il y a de l'essence ici. Oh putain, c'est génial. D'accord. Je sais même plus pourquoi on a besoin de l'essence. Ah oui, ici, pour le... Oui. Pour le générateur, pour ouvrir la grande porte qui va vers l'hôtel. Vous savez cette grande fenêtre, vous allez voir. Ça t'arrive encore de prier? Ouais, parfois. Vraiment? Quand ça? J'ai prié quand on a quitté Jackson. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois je me dis des petites prières, juste pour moi. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est une façon de gérer mes émotions. De faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude. Ok. Très suspect qu'on doive faire le tour. C'est très 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 suspect. Il va y avoir une connerie, vous allez voir.
D'accord. Et voilà le travail. Par là. Vas-y, je te suis. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je parie que je peux atteindre l'autre balcon avec ça. Ok. Ellie, fais gaffe. C'est bon. Ça tient. On peut l'uncharted, ça. Pas de problème. Allez, Dina. Ok. Ah mais d'accord, là c'est la suite. Lieutenant Torres, il y a 70 ans, mon grand-père a quitté l'Allemagne avec sa famille pour échapper à la Seconde Guerre mondiale. Il a fui grâce à la bonté et à la bravoure d'une famille polonaise. La vie suit son cours et le cercle continue. Ce soir, ma famille fait ses valises et, grâce à votre générosité, nous quittons la ville escortée de vos courageux soldats. Merci de m'avoir aidé à préserver notre synagogue. Il est difficile d'abandonner notre maison, mais au fond, ce sont les personnes vivantes qui comptent le plus. Vous portez sur vos épaules une lourde charge, et j'espère que nos conversations nocturnes vous ont aidé dans votre tâche. J'ai pour vous une dernière. Pensez. Chaque pas qui nous éloigne d'un monde meilleur est généralement suivi de deux pas dans cette direction. Gardez espoir en l'avenir. Comme le dit l'adage, il suffit d'une bougie pour dissiper les ténèbres. Que Dieu vous protège, Rabbin Ziva Sanders. J'espère que vous êtes sain et sauf. Yep, The Last of Us 3, ce sera sur eux. 5774. On a fait un bond dans le futur. Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Super, maintenant un ange. Ah, ça devait être bon. Pendant les fêtes juives, on mange tout le temps. Et puis, on se félicite de ne pas avoir été annihilés par nos ennemis. Une longue lignée de survivants. Exactement. Il y a une porte que j'ai pas vue, je pensais que c'était la suite. Oh oh. Ah, c'est quoi ça? Oh, ça c'est la Torah. Quoi? Disons que dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Prends-la, enfin. Cool. Au moins, ils ont pas tout balancé. Putain, les blagues sur ça. Elle va se prendre que des blagues. Elle est lesbienne, enfin elle est bi. La Torah, tout ça, niveau religion, elle va se faire défoncer aussi. Enfin, son physique aussi, j'ai vu des blagues déjà sur son physique. Bref. Quoi? Attends, me dis pas que j'ai cassé le jeu là parce que. J'ai envie d'atteindre là-bas.
Ça me semble pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. Vas-y, on va partir. Ah, c'est ça que ça servait ici. Bon, le portail maintenant. Ok, bon, on a tout vu. Coucou Payette. Hop là. En avant Payette. Mais vous savez quoi, on va s'arrêter là. Hey, tout va bien? T'as le mal du pays? Juste un peu. Et toi? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. J'ai toujours rêvé de retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite? Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Non. Franchement, cette idée me plaît beaucoup. Vraiment? Oui. Vraiment. Eh bah, quelle aventure! On n'a croisé aucun WLF. Hé, hey, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un. Ouais, bon, sur ce, à la prochaine, on va s'arrêter là. Et on est parti pour le QG des WLF. Tchuss!